What's up les amis, bienvenue chez Android Technologies. Aujourd'hui on va tester un nouveau vidéo projecteur de la société Vaikyo. Cette version V630 qui fait Hela, qui fait Full HD. Donc on va tester ce nouveau vidéo projecteur. On va faire un déballage, on va voir ce qu'il y a dedans et on va tester la résolution et pas mal d'autres options. Restez avec Android Technologies après la pub. Les amis, donc on va faire l'unboxing du Vaikyo V630. Yo! Bon, on a retiré ça. Voilà le grand boîtier. Et comme vous voyez, yes! Donc, ah, ça c'est du bon travail. Il y a une pochette. Le produit, je pense, il est dedans exactement. Une pochette où il y a vidéo projecteur. Voilà, comme vous voyez. Et boîtier où il y a les câbles d'alimentation. Donc j'ouvre ça. Hop, donc vous avez manuel. Ok. Vaikyo. L'utilisation en français, vous allez le trouver directement à la page 4 et 5. Vous avez le câble d'alimentation. Voilà, comme vous voyez. Vous avez un câble HDMI. Vous avez un câble AVI. Ok. Pour les vieille télé, et vous avez une télécommande. Donc c'est basique, jusqu'à maintenant c'est vraiment basique. Alors j'ouvre la pochette où il y a le vidéo projecteur, les amis. Ok, voilà, hop, on va poser ça. Bon, franchement les amis, c'est une très bonne pochette Vaikyo, c'est du top. Donc, le vidéoprojecteur, voilà, c'est beau, c'est magnifique, comme vous voyez, voilà, franchement, cette couleur, les amis, blanc, comme vous voyez, franchement, c'est élégant. Très élégant ce vidéoprojecteur, mais le plus important, c'est qu'on va l'essayer, on va le tester pour voir vraiment la qualité d'image. Là, vous avez de l'aération qui sort du vidéoprojecteur. Ok, là, vous avez la lentille. Oh, je vais retirer la lentille, comme vous voyez. Voilà. Ok. Vous avez l'option du keystone et là pour agrandir le zoom ou bien baisser le zoom. Donc là vous avez la marque Vaikyo. Donc je tourne. Là vous avez la sortie du son qui sort par ce côté là. Ok. Et là vous avez la carte SD et vous avez deux HDMI. Le premier et le deuxième. Franchement, cette couleur, les amis, blanc, comme vous voyez, franchement, c'est élégant, très élégant ce vidéoprojecteur. Mais le plus important, c'est qu'on va l'essayer, on va le tester pour voir vraiment la qualité d'image. Donc, comme vous voyez, les amis, les rideaux, ils sont pas vraiment fermés, mais regardez, il y a toujours cette belle image. Donc, pour allez sur le menu, là vous voyez, vous cliquez avec la télécommande comme ça. Et là vous avez VGA, vous avez USB, AV, HD, HDMI 1 ou bien VGA. Donc moi je vais choisir HDMI 1, regardez. Et dès que je mets HDMI 1, j'ai branché ma Fire TV Stick de Amazon. Ok,
Et comme vous voyez, voilà l'interface de ma Fire TV Stick de Amazon. Donc pour le menu, regardez, vous avez standard image, ton de couleur, aspect ratio. Les ratios, vous pouvez mettre soit 16:9 ou bien 4:3 ou bien zoom 1 ou bien zoom 2. Ça dépend de l'espace de votre chambre, mais de préférence, vous laissez l'image sur 16:9. Ok les amis, donc là sur mode image, réglage, vous avez français, vous avez restauré les réglages usine, vous avez mélange, keystone, regardez quand je clique sur keystone, et cette option là, ça me permet de prendre les mesures exactes pour avoir une très bonne image. Donc par défaut, la calibration, je la laisse sur 0. Et calibration ici, regardez, quand vous voyez l'image, ça commence à grandir. Voilà. Hop. Vous pouvez calibrer jusqu'à 11, 12, 13, 14. Donc ça dépend votre mur et le diamètre et l'espace. Rotation 0 ou bien rotation 1. Donc position auto reset. Pour le menu réglage, voilà réglage, vous avez le son aussi, soit standard ou bien musique ou bien cinéma, ça dépend le mode que vous aimerez choisir. Avec ta vieille bande de titans. J'ai aussi vu des nouveaux. T'es qui toi? Je suis pas super sûr. Nous on est quoi? Les nouveaux titans? Les titans de... Yo les amis, on est presque arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous donnerai mon point de vue concernant la qualité, l'image, le son du Vankyo V630. Franchement les amis, c'est une très bonne affaire. C'est un très bon produit. Vous avez vu la qualité d'image, la qualité du son qui sort. Et j'ai oublié, avant de quitter, j'ai oublié carrément de vous montrer un truc très important. Donc là, regardez, là, hop, voilà ce petit bloqueur que j'ai failli vraiment oublier. Au fait, ça bloque la poussière d'accéder à l'intérieur du vidéoprojecteur. C'est pour cela, la société Vankyo, ils ont utilisé ces tiges-là pour nettoyer la poussière. Donc, ça a été Android Technology. Les amis, mon dernier mot concernant ce vidéoprojecteur, vous allez trouver le lien dans la description pour, si vous êtes intéressé, et pour l'acheter directement via Amazon. Il reste qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi. Et à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Entre en 8 technologies. Pouah!